Longtemps annoncé dans la Donga pour rencontrer les populations dans le cadre des campagnes, enfin il est là. Lionel Zissou, présent à Bassila, est accueilli avec quelques gouttes de pluie qui ont aussitôt cessé après quelques petites minutes. Des slogans par ici, des applaudissements par là, tout laisse à conclure que la population attendait vraiment la descente du candidat de l'Alliance FCBE-RB-PRD. Les premiers mots de l'homme à l'endroit de cette foule ont été des mots d'appel à la paix. Mazemi, Kanio, quitte silencieusement. Je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être à Bassila. Bisson à Bassila. Bon. C'est très important parce que sur notre territoire, il y a eu des incidents à plusieurs reprises à Bassila. Et c'est un souci pour moi. Pour qu'il y ait des violences, il faut être deux. Il faut que de notre côté, nous refusions la violence, même en cas d'injustice. Moi, je crois à la continuité, dit cite Lionel Zissou dans la suite de son discours. Il promet donc poursuivre les actions du président Boni Yayi. Et justement, dans son projet de société, il dit avoir pensé à toutes les couches sociales, femmes, jeunes, cadres. Aujourd'hui, le président Boni Yayi nous livre un pays assez riche pour qu'on puisse faire reculer la misère là où elle est encore. Vous avez bien travaillé avec le président Yayi Boni. Nous devons le voir à la base, avec la misère qui recule. Il faut le noter, cette journée du lundi a été marathon pour le candidat Lionel Zissou dans la Donga. Avant Bassila, il a parcouru les communes de Djougou, Ouaké et Kopargo.